dit, c'est un poème contre l'intolérance et contre le terrorisme. D'accord ? Les poètes sont des prophètes. Écoute, as-tu entendu, entends-tu le cri des milliers d'innocents fauchés par des monstres insensibles, sans pitié, ni remords? Tu sais, ça arrive ici, sur Terre, chaque jour. Et à chaque jour, mon cœur saigne et le tien. Je suis peut-être fait d'une pâte différente. Regarde-moi, touche-moi. Pourquoi autant des yeux fermés et tant des consciences réduites au silence? Regarde-moi, touche-moi. Suis-je pétri d'une pâte différente? Mon cœur saigne et le tien. Des êtres humains fauchés comme des lapins au vent, sous la plage, sous le soleil, dans les rues, dans leurs maisons, avec leurs proches et même dans des hôpitaux. Enfants tués devant les écoles par des drones ou des garçons aux gilets explosifs. Comment peut-on faire semblant de rien devant tous nos frères massacrés en Syrie, en Irak, dans le Yémen, en Libye, en Égypte, en France, en Russie, partout, et même ici? Quel Dieu aurait-il besoin de tous ces morts? Non, Dieu n'a rien à voir avec tous ces morts. Où se cachent-ils les vrais responsables? Les vrais coupables, ce ne sont pas seulement ceux qui ont défié les faits, mais aussi ceux qui tournent le regard ailleurs, ceux qui font taire leur conscience. Nous sommes poètes, nous sommes prophètes, le seul vrai Dieu qui nous a donné le don de la poésie, utilisons-le. Chauffeur.